MDR, les gars, MDR. Eh bien salut tout le monde, c'est JT Fraud. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc qu'est-ce que nous avons là? Un putain de scout. Allez, c'est la merde. Ah, je vous explique tout parce que là vous devez rien comprendre. J'ai vendu mon R125 pour me prendre ça. Voilà, mon nouveau bolide. Non, je déconne bien sûr, hein. Je vous explique en gros, R125 a des problèmes. Donc plaquette, disque et tout a changé. Donc là elle est en révision chez le garagiste. Il en a pour un ou deux jours et en attendant, voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai les gars, je sais même pas ce que c'est comme marque. Là je dois aller au travail, il est 7h30 du matin. On va voir si ça avance et tout, ça va être des grosses barres. J'ai même un top case, ça c'est moche mais c'est des barres en vrai, enfin c'est bien. Ça je vais au taf, hop je mets mon casque dedans. Ce qui est ouvert. Non il est fermé putain, mec je suis mort, regardez j'ai quoi. Donc il est full origine, il va à 60 km/h. Il est assez léger par contre, je l'ai jamais testé encore. Il m'a dit qu'il y a peut-être des chances qu'il démarre pas. Sinon il faudrait faire un kick, il a quoi, 10 000 km je crois. Mec, je suis mort, il y a de l'essence et tout. Et j'espère que je vais pas me faire contrôler par les flics parce qu'il n'y a pas de phare avant. Enfin l'ampoule elle marche pas. Attendez, juste avant je vais prendre les papiers. Par contre des scouts mec, t'as une putain de selle, regardez. La selle elle est archi grande, c'est un délire. On va aller au taf. Oh scout beat. Ok c'est bon. Allez c'est parti les gars. Merde j'ai même pas pris les mêmes gants. Oh je suis trop en bolos. J'ai même pas pris les mêmes gants gros. Oh je suis un bouffon mec. Bon tant pis ça fera un style hein. Gros tocard. Ok les gars. Alors nous voilà sur le gamos. Bon j'ai pas mis. J'ai mis des gants, je me suis équipé, j'ai mis mon petit pull Kikalinak. Comme vous voyez là. Donc les gens ils vont se dire quoi? Ils vont se dire what the fuck? On voit un mec sur un scout. Bah, attendez, est-ce que ça démarre? Oh! Oh! Oh mec il démarre! On a de la chance. Y a pas de feu avant. Bruh. Ouah mec démarre! Et merci JC Prod! Salut à tous! C'est JC Prod. Et il est léger hein. Par contre ça avance pas hein. Dinguerie, on est à combien là? Il n'y a même pas de compteur. Mais MDR les gars. Ah oh, ça fait bizarre. Ah oh, je suis mort. Limite les gars, juste les chaussures, elles coûtent plus cher que le scooter lui-même. Genre limite les chaussures elles coûtent le prix du scooter. C'est. Oh j'ai froid par contre. Non, en vrai c'est des barres hein. Franchement c'est vraiment des barres. Bon, déjà merci au garage. C'est mon pote qui me répare ma moto. Merci à lui. De me filer un engin de rechange hein, parce qu'il y en a qui j'aurais rien eu. Je suis allé au taf en bus. Donc c'est mieux que rien les gars, je vais pas du tout me plaindre. J'espère juste que je vais pas avoir de couilles et que je vais pas arriver en retard. Eh hey, j'ai deux gants différents, on dirait un tocard. Ah je suis mort. Oh le top case mon gars. Bon, par contre les gens, les motards qui s'y connaissent en moto, ils vont me regarder grave bizarre. J'ai un putain de sweet Kikanina qui a écrit dans le dos. C'est pas de la moto, c'est du super mode. Alors que je suis en scooter mec. Oh y a un scooter derrière. Ouais ouais ouais. Ouais la famille. Y'a la mif. Y'a la mif. C'est bon maintenant je suis en scooter moi. Oh, ça freine pas. Mais gros c'est quoi ça? Noni. Ouais ouais ouais. Ouais le dingue. Ah, faut que je m'y habitue. Oh mec, je suis mort. C'est bon, je suis en scooter maintenant. Il y a un poteau là-bas. Non, je déconne, hein, les gars. Je reste pas au tard. Hein. Je dis ça pour rigoler. Hein. Oh mec, les clignots ils marchent même pas. Wesh. Ah si, c'est bon. Je criais. Oh, comment ça me colle derrière là. Ça avance pas aussi, gros. Oh là là, je vais être en PLS sur la Mary Jane. Ça va être des morts. Donc voilà les gars, donc j'espère que cette petite vidéo vous plaît. Je l'ai qu'un jour, sinon je vous aurais fait des dingueries avec. Je vous aurais fait une série avec le scout, on serait tapé des grosses barres. Donc là je fais une petite vidéo. Oh mon gars, regarde ces freins de merde. Je sens il va caler.
Bah ouais, en vrai ça fait le taf pour aller faire 500 mètres même. Et il est léger en vrai. Hein. Débord. Je suis mort mec. Grave débord. Scooter. Oulala, il est fatigué là, écoutez le bruit qu'il fait, il est bizarre. Faut que je règle le rétro quand même. En vrai c'est grave bien pour mettre ses pieds ça par contre. Genre tu peux mettre masse truc, tu pourras t'hôtel. Non, ne téléphonez pas sur la route. Tu peux. Là tu peux ranger des trucs gros. Là tu peux. Je sais pas si tu dois transporter un truc de ouf un jour tu vois. Putain c'est chiant qu'on voit pas les kilomètres heure, je sais pas je suis à combien. On va se mettre sur le bas côté comme ça. Au cas où les gens ils veulent nous doubler. Oh mec j'ai pas l'habitude. Je suis un putain de bolos, regarde, y'a tout le monde qui me double. Je suis en PLS sur le bord de la route. Mais non. MDR, je dois être à 50 gros. Et merci. Salut à tous, c'est Lucie Froide. Nouveau bolide les gars. Wouh. On va pas... Ah j'allais faire du remontée de fil. On va pas faire du remontée de fil parce qu'ils vont me redoubler après. Ça sert à rien mon gars. J'allais remonter comme ça là. Ah putain, j'ai même pas les mêmes gants gros. Allez les gars, n'hésitez pas à lâcher un like, me rejoindre sur mon Instagram les frérots s'il vous plaît, ça affiche en bas de l'écran s'il vous plaît les gars, faut péter la barre des abonnés là. Ouah, le tapis s'enlève. Je vais me casser la gueule. J'ai les papiers du véhicule. Lui il a les papiers de mon R55. En vrai il en règle et tout. J'ai juste pas de feu avant. Déjà j'ai de la chance qu'il ait démarré. Allez, je me fais doubler. Allez, ça commence. Putain, j'ai le clignotant comme un boulot, putain. J'ai même pas vu. Putain, j'ai froid, gros. Oh là là. Bah, il a bas, il a bas, il a. Il est gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les Attends, par contre c'est tellement léger et maniable, genre sans les mains c'est tranquille. Vas-y je suis à l'heure au taf. Ils vont me voir arriver comme ça au taf gros. Salut tout le monde, si c'est Prod. Putain de merde. En plus je leur ai dit j'avais une moto et tout. Genre y'a un mec au taf, il m'a dit les motards, il m'a vu arriver avec mon casque et tout, il m'a dit t'as quoi comme moto et tout. Et là, si me voit arriver avec ça, parce qu'il avait pas vu ma moto hier. Donc s'il me voit arriver avec ça, il va se dire ah ouais c'est un bouffon, il m'a menti et tout, il a pas de moto. Bon, c'est pas que je me fais chier. Ah, tu froid mon gars. Par contre la vue en moto elle est énervée. Enfin en moto. Genre la vue à GoPro, comme vous voyez, je trouve que ça fait grave stylé avec le compteur et tout. Je vais utiliser ce pour aller d'un point A à un point B, hein. Je vais pas le rouler. Faire les rassos quoi. T'imagines les rassos en scout full origine. Il est 7h, il n'y a personne, je vais aller au taf. Oh les gars, un délire par contre. J'espère que je vais pas me faire péter parce que j'ai un tout petit antivol. En fait j'ai laissé mon antivol sur la R65. Oh, imagine c'est t'as le témoin d'huile là, je suis dans la merde. Oh, non mais je crois il m'a dit j'ai de l'huile sous la selle au cas où. Et merci, j'arrive au taf en scout. Tu connais les bails. Ouh. Bon les gars, je vais taffer. Je finis à 16h. Il est 7h du matin. Putain, il y a aucune moto. Et quand j'ai fini de taffer les refs, et ben, on se retrouve direct après pour un débrief et pour qu'on voit. Pour rentrer tout simplement. Putain mais comment je fais avec le top case mon gars. Oh, je vais niquer. Bon. Je dépasse sur la chaussée avec cette merde. Vas-y je pense que c'est pas dérangeant. Est-ce que nos voitures elles vont le buter. Normalement c'est bon la voiture. Elle passe. Oh les gars je suis mort. Bon. Alors ce qu'on va faire, on met le némol. C'est bon. On va mettre les casques là-dedans. Merde. Hop, c'est grand, hein. Tu peux mettre moi ce truc. Bon j'aurais pas confiance de laisser monter ou quoi, mais. C'est quoi que je voulais mettre? Ok, mon casque. Bon, on est en train de filmer. Je le mets après. Ouh, j'ai froid. Je vais arriver en retard en plus.
Ah. Ok. Ah, des barres, les gars. Vieux anti-vol de vélo, mon gars, ça se coupe au ciseau, miskin. Gros, ça se coupe au ciseau, quoi. Tout le monde peut le péter, là, le scout. Et merci les moyens de protection de merde. Donc voilà les gars, je range le casque. On se retrouve tout de suite après quand j'ai fini mon taf pour rentrer, pour voir si on n'a pas de soucis. À tout de suite. Bon les gars, il est 17h, je sors du taf là. J'ai un pote à moi, il m'a rejoint avec sa petite nouvelle ninja là. On va faire des vidéos dessus d'ailleurs, là ça arrivera prochainement sur la chaîne. Une petite présentation, un petit test. Donc voilà, j'ai enfin fini le taf. Putain, je dois récupérer cette merde là pour rentrer. J'espère que je vais pas avoir de problème, on va voir s'il démarre. Je suis allé au taf, mon gars, il est resté là toute la journée. Hein? Eh, hey, je fais plus de bruit que toi maintenant. J'ai pas de chicane. Quoi, il a fait quoi? Bah, il a touché et il a fait en faveur. Mec, j'ai un meilleur bruit que toi, écoute. Il démarre pas. C'est quoi cette merde? Oh non, la vidéo est. Bon, il démarre pas, je fais un kick. Hein. En Yeezy. C'est kiff le bruit. Il y a double accra, gros. Bip bip. Eh, va pas trop vite aussi. Hein. Tu me suis, ça va être chaud. Hein. 40 km/h. Je suis mort. Bip bip. Kikalniak. Maman. Ah, je suis mort. Pourquoi il fait le fou? Je vais plus vite que lui avec mon scout. La vie, je vais plus vite. Je le mange. Oh. Des barres. Pourquoi je passe là, déjà? Putain, en plus il y a plein de motards et tout. Je suis un putain de scout beat. Casse les couilles. Bim, bim, bim. Oh les freins. Ah, je suis mort, c'est quoi ce truc? Bon les gars, nous on va tourner une vidéo, je vous dis salut et à la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo, je vais au taf en scout, vous aura plu. Moi je vais aller tester ça et faire une vidéo présentation, ça arrivera prochainement sur la chaîne. Sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine, c'était JC Prod, peace. Till I get up, time is barely on our side.